Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Humankind en multi avec Slan de 119 minutes. Salut Slan. Coucou, ça va bien? Ça va et toi? Ça va super. Ça va super, je suis en train de déplacer toutes mes armées. Ah, tu me menaces, c'est ça? C'est une absolument pas, absolument pas, absolument pas. De toute façon, on est alliés. Ouais. Vous êtes témoins, voilà, épisode de, début de l'épisode 21. La déclaration de guerre est en route. On non, est alliés, plus... si ce n'est dans les faits, on est alliés d'esprit. C'est ça. Mais en plus, on en parlait en off, je trouve personnellement assez intéressant dans le jeu la possibilité justement qu'il y ait une vraie compétition entre nous là au point, sans qu'on soit obligé de se mettre sur la tronche. Il n'y a plus de compétition, joueur, tu m'as quasiment battu parce que t'as 8 étoiles de retard et le même score que moi. Ouais, mais tu peux réussir à terminer la partie bien avant moi avec les éventuelles recherches technologiques que t'as prises d'avance ou la pollution. C'est pas non plus envisageable. Oui, effectivement, il y a une compétition comme ça. Même la solution la plus simple consisterait quand même à te rouler dessus. La plus simple, ça se discute. Ça peut se discuter. Il faut juste que j'attende le moment où je débloque une unité qui soit quelque chose d'assez violent contre toi. Mais c'est pas forcément le choix que je vais faire. Je préfère garder la possibilité ouverte. Hein. De toute façon, si t'es vraiment trop en score au début, si tu commences vraiment trop à me dépasser, je crois que la guerre sera inévitable. On va quand même pas accepter de perdre. Mais si je peux te battre à la loyale, je te battrai à la loyale. Si je peux pas, je te battrai autrement. Après, on peut considérer que la guerre reste la loyale, hein. Mais Non, à la loyale, à la vraie loyale, genre non, le tour d'avant, je te dirais que je suis ton ami pour la vie. Ça quand même beaucoup plus simple. Voilà, à la loyale quoi. On va parler de à la classique. C'est ça. Alors, qui c'est qui glande? Toi tu glandes. Hop, toi tu viens ici. Ouais, ça me paraît compliqué cette histoire. Ah, quoique. Ouais, mais là ça va vite. Ouais. Faut que je fasse des essais. Glande toi, tu te fous de moi? Viens ici. Donc, moi ce qui est important pour l'instant, c'est qu'on se mette à avancer dans la production. On sait qu'il est aussi bon que nous en production, voire meilleur. On en est où là? On recherche quoi? Ce truc là, ça nous donne quoi? Ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. J'acquiesce. C'est quoi notre recherche suivante? Le problème, il est vraiment que je fais pas assez de sous. Ben, on va aller là après. Hop. Pourquoi 3? J'en avais bien une en deuxième. Allez là. Ok. Ouais. Ok. J'acquiesce cette technologie. Ça me semble potable. Ça c'est très bon tout ça. On reste quand même pas hyper performant, je trouve, dans ce contexte là. Qu'est-ce qu'on fait niveau construction? Là, on construit ça, ok, admettons. Ça c'est d'accord. Bon, ça. Là, c'est va, là ça va, ici c'est pas mal. Ouais, bon, ok, l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Est-ce que c'est obligatoire ça ici? Je suis pas convaincu, hein. On peut peut-être privilégier des trucs un peu plus utiles. Genre ça. Et puis de la thune aussi. C'est bien la thune. Ça fait partie des trucs qu'on apprécie. Les pépettes. Hop là. Alors lui il va crever, hein, il se balade chez nous, mais ça y est, son bateau a coulé. Hop là. Alors là, du coup,
qu'est-ce que ça donne là? Et c'est ce que je craignais, c'est tout naze. C'est tout naze, c'est tout naze. Et on a... ouais, on a juste du navire côtier. Très bien. Est-ce qu'on peut trouver... Ouais. On les voit pas. Alors, il faudrait un truc à ce symbole. Ok, il est là. C'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Ok, bon, alors, du coup, on va virer ce truc qui nous sert à rien. Ça là. Voilà. Ok, on va faire ça. Viser ça et après viser ça. Ça me paraît pas mal. C'est parti. En attendant, on va prendre ton temps. J'ai besoin d'un petit peu de temps dans mon tour. Pas de soucis, il n'y a pas de... Oh, je construis plus rien ici, ça va pas du tout. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a? Ok... Ouais, bah ça c'est pas mal. Ça c'est... voilà. C'est des bonus qui sont pas hyper chers, mais qu'on peut toujours se permettre de faire. Allez hop. On va pouvoir commencer aussi à faire ce genre de truc. Alors par exemple, ouais, on peut sortir ça là. Là, oh, c'est pas mal déjà. On aimerait bien, ouais, on peut sortir déjà ici. Alors là c'est pareil, cette ville là. On peut sortir là, il faudrait qu'on puisse sortir ici. Comment ça, il n'y a aucun motif de crise entre nous? Mais n'importe quoi. Entre toi et moi? Non, entre deux, moi et un autre. Non mais c'est faux en plus, hein. Il y a complètement la crise. Il y a la crise quand je dis que c'est la crise, c'est tout. C'est moi qui choisis quand c'est la crise. Ah oui. Bien sûr que... Genre. Toi. Toc. Pour l'instant... C'est pas ouf, on va pouvoir mettre ça là, et là on a déjà ce qu'il faut ici, ok parfait. Ça c'est pareil, hein, c'est pour préparer l'avenir hein, que je fais ça. Donc ici on va aller faire un tour là, ici un tour là. Et là c'est trop loin en fait, c'est ça qui m'embête. Donc on va aller chercher ce qu'il nous faut. 250 de pollution par tour. Mec quoi. On est bien. Alors là, ouh, on peut construire encore un truc comme ça. Ah bah oui, 85 de production. Certes. C'est quoi l'autre? Mais non, il me propose juste de... Hop là. With 30 research quarters, I think we can safely say that the library of Alexandria has been avenged. Même pas vrai tout ce qu'ils disent. Toc, toc. Vous bougez. Qu'est-ce qui se passe? Accepterez-vous cette offre? What do you say to this appealing proposal? Non, le vert. Il veut un pacte de non-agression. Non. I'm sorry, but no deal is better than a bad deal. Fine, if that is your choice. Ah, il y a les Allemands qui se remettent à acheter plein de trucs. T'aurais des petits problèmes de stabilité, peut-être. Non, absolument pas. Ah, je peux prendre une nouvelle politique. Oh, la tolérance religieuse. Est-ce qu'on est plutôt tolérant? Ou est-ce qu'on est plutôt hostile? Honnêtement... pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Ah, on a des routes commerciales bloquées. Les Allemands ont déclaré la guerre au vert. Ça, c'est encore une guerre surprise en mode fouine, ça. Bon, c'était prévisible, ils m'ont vu arriver, hein. Il y avait les troupes autour, on a dit coucou...
Est-ce qu'on fait un pacte de non-agression? Ils ont dit d'accord, on a fait bon, bah très bien, laissez-nous entrer. Oh la vache, t'es horrible. Mais quoi? Hop là. Ça y est, le marron, c'est fait, comme on dit, c'est fini. La chute des Mongols, ça vous apprendra. Voilà. On a plus beaucoup de monde à faire chuter en plus, c'est bien, c'est propre. Donc, du coup, nous on va continuer vers là. Voilà, voilà. Alors, là, il va falloir que on trouve quelque chose. Qu'on fasse quelque chose, ça avance. Oh, mais on peut faire des sacrément plus grandes armées, j'avais oublié ça. Oh, bon, on va pouvoir gérer ça. Des grandes armées, c'est bien ça. Ils en sont où d'ailleurs les autres là, niveau étoile? Un peu à la rue, non? Ah, ils viennent de passer à l'époque moderne. On a les Hollandais ici. Et les autres. Ils sont au Moyen-Âge encore. Et eux, ils viennent de passer à l'époque moderne. Ah oui, c'était les Odenosone déjà, ouais, je me souviens. Très bien, très bien. Et toi, tu grignotes. Bah, pour l'instant, j'ai pas de gain prévu proche. Hein. Ça, c'est ce qui se dit. Tout à fait. C'est moi qui le dis, et je sais ce que je dis. Car je suis moi. Je sais aussi tout à fait ce que tu dis. Tu peux continuer d'avancer, toi. Vas-y, fais-toi plaisir, s'il te plaît. Bon, après, on va pas non plus passer 10 ans dans cette ère, de toute façon, parce que niveau construction... Ouais, on peut le faire. C'est pas cher. Voilà. On va prendre ça. Ça, on s'en fout. Ouais, on va prendre ça aussi. La stabilité, ça reste un problème. C'est quoi ça? Ammo, et ça, c'est quoi? Destruction de ruines. Ah, il y a des ruines, donc ça. Où est-ce qu'elles sont? Ce serait cool qu'ils nous disent où sont les ruines. Eh ben, il nous le dit pas. Passe ta souris partout. Je ne vais pas les détruire. Ah, si, là. Non, absolument pas. Bah, en plus, il doit pas y en avoir 35 000 des ruines. Ah si, c'est ici, d'accord, très bien, hop, voilà, ça sera fait. On cherche ça, ouais, ça me va bien, ça aussi, ça c'est pas mal. Le reste, on est plutôt bien. Est-ce qu'on a besoin de viser ça? Ouais, on a besoin de viser ça. Ici, hop. C'est parti, on va faire ça. Yep. On a pas besoin de... Si, putain, je suis con. Pardon, excusez-moi, j'ai fait de la merde. Ripé, chef. Toc. Ouais, non, j'ai détruit un... Enfin, j'ai détruit, j'ai enlevé de ma file d'attente un bâtiment qui n'était pas celui que je pensais. Ça arrive. Ah, j'ai encore une politique. Bah, ça y est, ça se débloque. Plus 100% de gloire gagnée pour chaque étoile d'air d'esthète. Oh. Elle est bonne cette politique, elle est très bonne. Empêche les sphères d'influence des autres empires de se répandre dans le territoire contrôlé. Ah, c'est puissant aussi ça. C'est hyper puissant même. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Ici, non, c'est absolument pas là. Ici. Alors, voyons cette bataille. J'ai une bataille quelque part. Pour l'instant, globalement, c'est la bataille, ouais. Mais il n'y a pas de... Non. On se répand petit à petit. Est-ce que ça vaut le coup? Ah, j'avoue que j'hésite.
Merde, c'était laquelle? C'était ça. Les étoiles d'air d'Estelle, c'est l'influence, c'est ça. Hein. C'est ça, ok. Ouais, pour l'instant, on va attendre un peu. Alors pourquoi on n'a pas tout le monde là, hein. Ah, 5 territoires sur 6, c'est-à-dire 37 adeptes parmi 46 populations de la ville, et pourquoi pas plus? Hein? Bon, je sais pas pourquoi. C'est de quoi? Non, je me demandais pourquoi dans une de mes villes, tous les gens n'étaient pas convertis à ma religion alors que c'était 100%, qu'il y avait que moi, enfin que c'était... Et je trouve que c'est pas forcément très clair. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 10 péons dans ma ville qui sont pas... qui sont pas de la religion, quoi. Bon, voilà. Tant pis, c'est comme ça. Hop là. Japonais. I think things could improve between us. I cannot accept this as is, but a modest contribution. Hop, on va upgrader tant qu'à faire. Hop là. Toi, tu te déplaces par ici. Ah non, quelqu'un a détruit nos routes commerciales. Avec le verre. Scandale. Là, ok, on va vers ça, très bien. C'est un petit peu long, mais je crois pas qu'on puisse augmenter drastiquement ça. Hein. Ça devrait être fini rapidement. On pourrait faire ça ici, on peut pas mettre. Que je prenne tout ça pour pouvoir les toucher là. Là non plus. Là on pourrait, mais il faudrait sacrifier ça, donc ça m'emmerde. Là on pourrait mettre un peu plus. Allez hop. Hop, hop. Ouais, la production c'est pas ouf. On va laisser les autres faire maintenant. On va retourner travailler pour nous-mêmes. Alors là, on va prendre toi et toi. Ici. Non, tu peux pas parce que tu peux pas bouger. Ok, très bien. Pas de problème. Mmh. 324 de pollution par tour, la vache. Monsieur, oh, se fait plaisir. Non, ça va encore, hein. C'est loin. Ouais, bah enfin, là où t'en es rendu, quoi. Ça va, il nous reste presque tous les tours à jouer. Ça veut juste dire que ça s'arrêtera un tout petit peu avant la fin prévue. Ça va aller. Il y a combien de niveaux de pollution avant que ça soit critique, d'ailleurs? Ah, le troisième, c'est la mort. Le troisième, ok. On passe le premier palier, ça va aller mal. On passe le deuxième palier, ça va très mal. Et le troisième, c'est la fin de la game. Il y a des malus, du coup, quand tu passes des paliers? Ah oui, moins 50 de stab sur toutes les villes du pays du monde. Ah effectivement, ça pique un peu. Très très bien. Moins 100 après, du coup. Effectivement, ça va très mal, ouais. Hop, donc, non, là je refuse. Hop là. Alors, je voudrais... ça, ça, ça... ah, on a perdu la synchro. Ah bah mince. Bon bah on recharge. On hein. Ah oui, on recharge, attends, hop. Ce qui est génial, c'est qu'on perd la synchro, mais il est quand même capable de savoir quand tu sors de la partie, parce que ça me jette. Et ouais. Ouais, tu peux plus bouger tes trucs et tout, toi.
Ouais, et toutes les actions que je fais font rien en fait. Dès que j'essaie de bouger une unité, ça fait rien. Lancer un bâtiment, il avance plus. C'est bien parce que leur petite icône rouge là en bas à droite, je le vois jamais moi. Bah si, je le vois, mais je le regarde pas tous les tours donc. Ouais, je l'ai vu totalement par hasard là. J'étais en train de cliquer sur un bâtiment, puis je me suis dit, tiens, il y a un bout de rouge là. Hop là, alors du coup, qu'est-ce que j'avais fait? Ok, on est au début du tour, donc j'avais rien fait encore, parfait. Vous trois, vous allez ici, voilà. Vous deux, vous allez là. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Hop. Donc ça, ça, alors ça franchement, l'améliorer en arquebusier, ça fait chier quand même. Il passe à combien? 39, et on a 34, ça vaut pas le coup. Une nouvelle politique, les faits scientifiques. Qu'est-ce que ça fait de beau? Plus 5 de science sur site sacré, ou plus 5 de fouet, plus 5 de stabilité sur site sacré. Bon, ok. Ah non, ça nous ramène par là, ok. On est déjà au bonus, donc plus 5 de science sur site sacré, c'est franchement pas non plus... un truc de fou. Ah, t'as déjà mis fin à la guerre? Il n'y a plus rien? Ah si, non, il a encore des trucs. Ah, pas de raison de s'éterniser, hein. Non, non, mais c'est que son soutien de guerre s'est vachement vite effondré, quoi, je trouve. Ah oui. Après, tant mieux. C'est triste à dire, hein. Mais c'est la vérité. Alors là, par contre, tu me dis pas où est-ce que ce serait le plus intéressant. Tiens donc. Et on va le poser là pour la peine. Ok, alors du coup, ça c'est bon. Là, ça va nous permettre de remonter un petit peu la pente doucement. Dans la file. C'est quoi ça? C'est qui fait rien? T'es qui toi? D'accord, pourquoi pas. Je sens que je vais en entendre parler. Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien, ça se verra bientôt. Ça se verra bien assez tôt. Pourquoi c'est bugué là? Pourquoi mon truc il a... Il faut 6 de mouvement pour monter? Bon ok, il faut 6 de mouvement. Pour l'instant je te vois pas passer ton tour donc... Ouais. Normal, mon tour était long, il y avait une paix à faire. Qu'est-ce que t'as foutu? Tiens, il est passé japonais le... Oui, je l'ai dit. J'ai pas fait gaffe. Il y a quelques tours. Pardon. Le. Excusez-le. L'infamous rose, magenta. Ou rose. Ah, mais ça y est, t'as tes étoiles là. Oui, des étoiles, il y en a plein, tu sais, faut pas se focus là-dessus. Je me focus sur rien. J'essaie de comprendre pourquoi, soi-disant, tu serais mort de rire. Non, bah j'ai pris 1000 points sinon au passage. Bah ça j'ai vu ouais, mais ça c'est ouais. Ce n'est rien. Mais c'est pas ça qui... Très... Non mais le mort de rire ça sera pour bientôt, t'inquiète. Je t'assure que tu seras aux premières loges pour le voir. Aïe. Mais t'as aucune raison de t'inquiéter. Ah bah non, mais je m'en doute bien. Ah ça c'est un problème par contre ça. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? Pourquoi j'ai pas de... Comment c'est possible? C'est long ça, bordel! Qu'est-ce que c'est long? Je vais quand même pas être obligé de. Pour en être réduit à ça, moi! Hop, on va faire ça. Ouais. Mais j'ai ça dans certaines villes. Non. Non, c'est bon, ok. Ah, hop. Là, on va pouvoir mettre lui là, eux ici. Ce sera pas mal. Voilà.
Hop. Là, on va voir. Ça. C'est long. Là, on va voir. Ça. Là, c'est 40, 50 000. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf tout ça. C'est très long aussi. Ah oui, en plus, ça c'est la dernière. Du coup, c'est encore moins bon. Ok. On va booster encore un peu et après on changera peut-être un peu la stratégie. Voilà. Ici, là, par contre. Pourquoi j'avais un truc. On va. Ah, clairement. C'est le Mogol accorde un intérêt particulier à ce lieu, mais ils n'existent plus, les Mogols. Enfin, si c'est moi, les Mogols, c'était. Les Mongols, pardon. Ce petite subtilité. Ensuite, là. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, c'est quoi ce truc vert? Les verts hachurés, c'est les. C'est des zones naturelles? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, c'est marrant. Non, c'est des zones qui sont reliées à aucune ville. Bah non, dans tes territoires là, t'as des zones hachurées. C'est pas des verts hachurés, ils sont pas vertes, non. C'est pendant les guerres, oui, mais pas pendant les guerres. Ah, en dehors des guerres. Si, genre juste au sud de San Lorenzo, il y a Valdivia là qui s'étend sur plusieurs territoires et qui est vert, assuré. Enfin, je peux pas dire au mieux. Sud de San Lorenzo. Ouais. Il y a rien au sud de San Lorenzo. Bah écoute, dans ce cas-là, tu dois pas le voir. Ah, c'est une réserve. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une forêt. C'est un nom. C'est une forêt. Mais elle s'étend pas sur les trucs autour qui sont genre terra boisée quoi. Attends, j'en ai moi aussi. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est un. En fait, c'est des trucs à découvrir. J'ai Dentry à côté de ma capitale. Ouais, t'as Dentry, des forêts. Ouais. C'est ça. C'est des forêts naturelles, on va dire. C'est pour donner un peu de, un peu un look à la map. Mais voilà. C'est pas pertinent. Alors là, est-ce que ça commence à être rigolo? Oui, ça commence à être rigolo, ça. Alors, moins 50. Refusé. Est parti. Ok, donc là du coup, je suis au max. Ce qui veut dire qu'il faut que je vise autre chose. Probablement plutôt ça. Donc on va blinder. La bouffe. Donc, ici on met là et derrière on met là. Un peu plus. Voilà. Ici pareil, on va blinder ici et blinder là. Hop là, on pourrait faire donc. Ouais. Toi t'as encore besoin, toi t'as plus besoin, clairement. Hop là. Zou. Là on produit beaucoup trop, enfin beaucoup trop, on produit jamais trop mais... Vous m'avez compris. On est au max, on est pas au max, mais on peut pas. Ok. Alors, du coup, ici. Cinq. Une nouvelle politique, l'esclavage. Eh ben, dis donc. C'est du propre. T'es pas un peu à contre-courant de l'histoire, là? J'ai pas dit que je le prenais, hein.
Comment nous procurons-nous des esclaves? Oui, je me disais, mais dans les deux cas, dans les deux choix, on a des esclaves, mais ok, d'accord, mais c'est... Ah oui. Je pensais qu'il y aurait je pensais qu'il y aurait le truc classique, les esclaves et l'abolition, mais non, dans les deux cas, c'est comment on se procurerait des esclaves, et nous, on ne se procure pas d'esclaves pour l'instant. Ça, c'était quoi? On a quoi? Ça pour l'instant c'est pas une priorité, mais il faudra que je m'en souvienne. C'est le seul truc qui a des chemins. Pas compris là, la recherche que j'ai fait elle a pas donné ce que j'espérais. Ah oui, bah tu passes ton tour, si t'es pas content c'est tout. Je te lise moi. C'est mon tour. Bah c'est mon tour, mais on va s'arrêter là. Eh oui, exact. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que cela ne fait dans mon dos en allant voir sa vue. Et on se dit à très vite pour la suite. À plus tout le monde.